Salut à tous, c'est Sadi 45 et on se retrouve pour la suite de Spider-Man. C'est parti, let's go. Donc la France est laissée ici, on va sûrement voir le boss. Qui est à Partant, combien 600 mètres. Yuri a dit qu'il allait lui montrer ce qu'était la peur. Mais sincèrement, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Il y avait quelque chose dans son regard. J'ai déjà vu ça chez plein de criminels, mais jamais chez un policier. Ah, le bâtiment de Oscorp. L'hôpital Mercy. Ok. Je vais tracer tous les téléphones portables utilisés ces 5 dernières minutes. Si notre ami Vinny est encore là, je devrais pouvoir le trouver. Trouver le signal du téléphone de Vinny dans l'hôpital. Ça capte. Mais je dois me rapprocher pour m'aligner sur le signal de Vinny. Il ne reste plus qu'à isoler le signal. Non, c'est pas Vinny. Allez, Vinny. C'est pas lui. Je vais continuer à chercher. À mon avis, ça va être le plus éloigné. Ils sont les cercles? Ok, il y en a un à droite et un à gauche. Allez, faites que ce soit lui. Ah, c'est pas son identifiant. Alors, faut faire l'autre. Ah non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs de l'autre côté là. J'ai un bon pressentiment. Non, allez. Ah, il est forcément encore là. J'ai l'impression d'être un espion. Mais. Allez. Oui, c'est lui. Vinny, mon héros. Et voilà Vinny. Je dois rester près de lui. Mais pas trop. D'après Vinny, Hammerhead a prévu une grosse production pour ce soir. Et ça m'étonnerait que ce soit une comédie musicale. Ou une comédie. Ou même musicale. Allez, Vinny, fais quelque chose. Tu es mon seul espoir. Il monte dans une voiture. Mauvaise idée, Vinny. Des places de parking comme celle-là, ça ne court pas les rues. Hammerhead ne s'est pas manifesté depuis qu'il a kidnappé les autres donnes. Ça doit être en rapport avec eux. Il faut que je tire tout ça au clair et que je retrouve Hammerhead avant du retour. Je veux pas faire mon passager relou, mais quand même, intéresse-toi au code de la route, un minimum. C'est sûrement là que Vinny devait retrouver le reste de l'équipe. Je devrais les écouter. Ça me permettra d'en savoir plus sur ce fameux grand soir. Alors, il y a 4 conversations. Quand est-ce qu'on va au chantier? Bonjour. Ah ouais, il est tombé pile poil. Il est tombé pile poil devant le mec. C'est un peu loupé là. Bon, on recommence. C'est sûrement là que Vinny devait retrouver le reste de l'équipe. Je devrais les écouter. Ça me permettra d'en savoir plus sur ce fameux grand soir. Je dois rester caché. Quand est-ce qu'on va au chantier? Plus tard, le patron veut une lumière d'ambiance. Il adore les mises en scène. Ok, tu me diras si tu croises Gino. Hein. Je vais donner rendez-vous ici. La petite soirée des gangsters aura lieu sur un chantier. Ouais, et lequel? Hammerhead en possède une demi-douzaine. Oula, il y a un sniper. Chut.
Oh oh. Et les autres sont où? Il y a une conversation ici? Ah, il y a une petite bouche à égout là, enfin un truc. Il y a une sorte de trappe là. Alors. On va dans l'est ce soir ou on va dans l'ouest? Dans l'ouest, pauvre tâche! Suis un peu! Ok, ok, pardon. L'oreille interne est traquée, ça me désoriente. Chantier dans l'ouest. Ça se précise, mais c'est encore vague. Je dois encore tendre l'oreille. C'est bon, je prends la relève. Merci bien. Ok. Donc ça compte sur deux, ouais. Parce que là, je suis sorti directement. Ah, ok. Bah là, comment je fais pour les écouter? Parce que si je me mets derrière, il va m'entendre. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Ah ouais, d'accord, parce que tu l'as vu encore. Ah ok, eux ils sont juste là. C'est moi ou il y a un policier derrière? Mais il est où Gino? C'est lui qui doit s'occuper du béton. Le show démarre à 21h pétante. Je vais voir au camion toupie. Ce sera prêt à 21h. Promis. Commence à 21h. Je note, mais il me faut une adresse. Alors par contre, il y en a un dernier qui était là-bas, mais... Attends, c'était lequel? Ah, c'est eux. Au pire, là. Mec, c'est le chantier près de la ligne 1 sur la 34e. La G passe même pas à Manhattan. C'est quoi ton problème? Ah, ça va, lâche-moi, je viens du New Jersey. La 1 sur la 34e... C'est Hudson Yards? C'est bon. Hammerhead va s'occuper des donnes ce soir à Hudson Yards. Maintenant, je dois faire en sorte que ces types ne rappliquent pas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fasse? Éliminer les hommes d'âme. Ok. Faut que je les élimine. Ah, peut-être dans l'eau. Tout sera appliqué. Oh le gros. Ah mon dieu. Faut protéger trop le gros lui. T'es mort. Ah, il est chiant lui. Voilà. Ok, le compte est bon. Apparemment, la production a lieu ce soir. Pourquoi j'ai le sentiment que ça va mal tourner? Ok, place au spectacle. J'espère que j'ai une tenue correcte. Pourquoi Hammerhead refuse d'être un mafieux normal? Il pourrait, je sais pas moi, tenir une boîte de transport de déchets, porter des survêtements, hein, se gaver de pizza, magouiller dans son coin. D'où il sort toute cette ambition? Ça doit être la plaque dans sa tête. Pourvu que j'ai encore de l'avance sur Yuri. S'il se retrouve nez à nez avec Hammerhead, il risque de faire une bêtise. Par contre, ils sont toujours loin. Hein. À tous les agents, des témoins nous signalent une course poursuite avec le Ziad. Le signalement provient d'Ansonia. Terminé. Pas beaucoup de prises ici. Plutôt aller sur la route. Voilà. Ouais, salut Peter. Salut Miles. Ça va?
Hands-on ? Ah, ouais. Je t'ai pas encore parlé du Spider Instinct. Je mets ça sur la liste pour la prochaine leçon. Ouais, je vais bien. C'est juste que je suis à l'hosto. T'es à l'hôpital ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Y'a quelqu'un qui est venu ? Non, rien à voir. En fait, y'a rien, j'ai juste sauté d'un pont. Bah quoi ? Il y avait un pont, j'ai sauté. Dans le Queen. Mais ça va ? J'arrive tout de suite. Non, j'ai rien, je t'assure. Enfin, je me suis pété un orteil. Tu savais que ça pouvait pas se soigner ? Genre, on te dit, pas de bol, voilà. Mike, ça va pas de faire ce genre de truc ? Bah ouais, je m'en rends compte. Je suis sérieux. T'as peut-être des pouvoirs, mais t'es pas indestructible. Crois-moi, tes pouvoirs... Oh, ça me fait trop bizarre de dire ça. C'est une responsabilité. Ah là, je suis arrivé. Ils parlent beaucoup, eux. De la magia. Croyez qui voilà, le nuisible, juste à temps pour le direct. Le direct ? Bonsoir New York, bienvenue dans l'émission de ce soir, la relève de la garde. Rappelez l'époque où honneur et loyauté étaient plus que des mots. Quand la magia était crainte et respectée. Ce soir, cette époque va faire son grand retour. Allez, au secours ! J'aimerais vraiment pouvoir me joindre à vous. Ne bougez pas. Je vous retrouve très vite. Si j'arrête pas la bétonnière, les donnes vont être ensevelies. C'est bon. Pour l'instant. Non, faut plus qu'il touche aux commandes. Ah ok. Donc faut que je garde un œil sur... J'éloigne ce type de la bétonnière. J'espère que j'ai coiffé Yuri quelqu'un pour la bétonnière. Les gars, ils vont devoir patienter encore un peu. Fais bouger les pieds. Putain, je peux bouger non plus. Oh. Le gros, il m'est... Ah là là, il a de la protection. Il a de la chance lui. Ah bordel. Allez. Il risque plus rien pour le moment. Ah ouais. Oh non, ils ont relancé la bétonnière. Je suis mort dessus. Allez, arrêtez ça. Personne ne touche à ça. Qui a commandé ? Toute sa vie sera bientôt plus forte qu'à Noël. Vous verrez. C'est des cafouilles là. Ce serait bien difficile à l'écart. Ah, ça fait mal, ça me fait mal. Si je désactive pas la bétonnière, les tonnes vont y passer. Oh la vache! Oh mon gros! Mais putain, tu m'énerves. Ah, t'es mort? Mais il tape le même personne, non? Oh là là! Dégage, ouais, là. Ah ouais!
Oh, le truc. Ah, c'est bon, il est mort. J'aurais beaucoup moins de mal à vous aplatir, hein, sans vos boucliers. Il a bugué l'autre. Ah, ils se mettent à deux. Ah, ils sont à deux devant la bétonnière. Encore un père pour attendre. Je me demande s'ils ont des portes gobelets là-dedans. Hé, hey, comment t'appelles ça? Les perforatantes? C'est fou de ma gueule! Non mais c'est ça, vous avez fait leur donner un nom aussi! Aïe! Classique! Oh là! Oh bordel! Je vais mourir! Profite de la vie, reprends de la vie. Ah, ces toilettes sont pas très efficaces, hein. Ah bon, t'es lutte. Il me chope de derrière. Aïe 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 aïe. Attends, attends, attends. Oh la vache. Mais lâche-moi toi. Oh. Non. S'il te plaît, me tue pas. Aïe aïe aïe. Oh non. Mais putain, mais. On peut plus l'éteindre. Comment ça? Il faut que j'essaie d'entoiler la bétonnière. Pour que ma nouvelle formule renforcée fasse des miracles. Maintenant, mets-toi le col de la case à l'épreuve du temps. Sors de là. Alors, récupère un peu de vie. Hein. Wow. Viens là, toi, vilain. Ah ouais, ils avaient mis tous Mikao, c'est bon. Surtout, tenez bon, on va vous sortir de là. Les Dunn sont en sécurité avec la police. Autour du grand méchant à la tête plate. Bien joué, l'insecte. Tu as gâché ma petite fête. Mais c'est comme ça. Les aléas du direct. Ça te plaît? Le projet Olympus en action. Je l'ai terminé pendant que tu t'amusais avec les Dunn. À la haute couture, c'est vraiment plus que c'était. Je suis désolé, mais le gris métallisé ne va pas autant. Il faudra du temps pour redresser la pègre de cette ville. Avec ça, ma place est garantie. Garantie sur le long terme. Tes pièces, elles sont peut-être garanties, mais toi, t'as pété un plomb. Non. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. La ville ne prend plus la magia au sérieux. Il n'y a plus de respect. Mais quand New York m'aura vu te briser en deux, les choses vont changer. Il est temps de revenir à nos heures de gloire. Oula. Aïe. Attends, sors de là. C'est quoi ce bordel?
C'est petit sinon. Ils peuvent monter en haut. Je pense pas. Je peux faire attaque piqué. Ouais. Oh bordel, pourquoi Spider-Man tu vas dessus? Oh. Aïe aïe aïe. Ouf, ouf, ouf. C'est ça. Tu te fais regarder avec ton exosquelette géant là. Oh là là. Il va me terminer lui. Il va me terminer et c'est tout petit. C'est un tout petit terrain. J'ai pas l'habitude. C'est trop petit ici. Non, c'est lui, je. Police, plus un geste. Bah ouais. Se transformer en aberration de la nature, c'était peut-être pas une si bonne idée, tu vois. Hé, hey, dis. T'as pas entendu quand je t'ai parlé de long terme? La magia a toujours eu de la patience. Mais elle attendra le moment opportun pour... Yuri. Non. Yuri. Faites pas ça, capitaine. Non. C'est pas bon. C'est vu autrefois. Tu m'as parlé de la peur. Comment tu te sens là? Je suis au top. À suivre. Alors on l'a fini. Donc ça c'était l'épisode 2.
C'est moche pour le capitaine, mais je suis contente que ce pourri soit mort. Qui a dit qu'il était mort ? En plus de ça, il est même pas mort. Alors, bravo, vous avez terminé le scénario La Guerre des Gangs. Mais l'aventure continue dans la prochaine campagne, Le Retour de Silver. Ouais, ça sera la prochaine vidéo qu'on fera. Donc, ça sera Le Retour de Silver, du coup. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.